Yo. Yo. Voilà. Bonjour à tous. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Sekiro. On va bouger la souris. On va cliquer d'abord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah c'est la suite de la dernière fois. Information hein, fermée. Alors, bah continuer. Bah alors on avait tué les deux premiers boss. Le avec en galérant, je le dis direct. Hein, avec le comment on appelle ça? On avait tué une sorte de géant là qui nous avait donné du fil à retordre. Et le mec sur son cheval qui lui aussi nous a donné du fil à retordre. Attendez, 30 secondes, je vais peut-être faire ça avant. Histoire de. Voilà. Tac. Hop. 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 Et on est parti. Et donc on s'est arrêté. Bah on venait juste de tuer le deuxième boss. Je sais plus comment il s'appelle, le général, je sais plus trop quoi, sur son cheval. Rao là. Donc bah voilà, juste là. Alors, vous avez triomphé d'un adversaire extraordinaire que vous pouvez désormais affronter dans vos souvenirs. Vous avez maintenant accès au reflet de force depuis. D'accord. Fragments. Le shinobi peuvent laisser des traces de leurs actions passées sous la forme de fragments. Les fragments servent à transmettre l'expérience à des pairs. Certains vous éclairent sur l'avenir, d'autres vous mettent au défi de faire mieux. Ouvrir le menu des fragments, remarque une connexion réseau et requise. Ah, c'est le truc à la. Comment on appelle ça? Comment il s'appelle ce con? Dark Soul, Demon Soul et tout ça là. Où il mettait et où il y avait des traces par terre et quand tu te mettais dessus, bah comme là. Go, d'accord. Ah ouais, les mecs, ils ont eu plein de trucs. Voir le fragment. Ah ok, ouais. Bon, on verra bien. Alors, bah du coup, on continue. Je suppose que vu que j'étais descendu, ça doit être par là. Ah oui, par contre, la garde, c'est là, et là, c'est tapé. Et ça, c'est... D'accord. C'est parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci. Salut à tous ceux qui arrivent. J'ai eu un petit souci. J'ai pas pu jouer depuis la dernière fois que j'ai joué. Moult péripéties. Hein, comment on appelle ça le Covid, les trucs et tout ça. Donc. Est-ce que c'est par là-bas? Vous voulez acheter une offrande? Encore un. Où vous trouverez les morts? Vous trouverez les pilleurs de tombes. Un champ de bataille est notre paradis. Allez, achetez une offrande. D'accord, donc on sait qu'il y a un vendeur ici. Où vous trouverez les morts, vous trouverez les pilleurs de tombes. Où que vous voyez. Ouais, c'est bien.
C'est utile, mais c'est quand même des salades. C'est pas très bien de piller les tombes. Ok, là c'est pour se mettre accroupi. Enfin, c'est pas très bien de piller les champs de bataille. Là, il y a un mort, je viens d'ici. Ok. Là, il n'y a rien. Que fait ce fantôme? D'accord. Je check vite fait, hein. Je vais pas faire ça à chaque fois, mais. Ok. Mais par contre. Avant toute chose. Porte. Là, il y a une vieille. Oh, vous avez survécu? Guillaume est enfin un cadavre, je suppose. Ah, c'était Guillaume. Ça ne change rien, vous savez. Il y aura d'autres guerres, d'autres cadavres, et la haine continuera de prospérer. Où va toute cette haine? Vous vous l'êtes déjà demandé? Ah, c'est la voix de Michonne dans The Walking Non, Dead. je suppose que non. C'est pourquoi j'ai pitié de vous et de lui. Et là, je la tue, non? On ne tue pas les vieux? Il faut parler à lui. Avant que je te tue, dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom! Pas de nom à donner. Vous autres, shinobi, vous êtes tous les mêmes. Vous mourrez sans nom et sans personne pour vous pleurer. Toutefois, ton bras gauche, une prothèse shinobi, elle me rappelle. C'est ça. Un loup à un bras. J'aime ça. Ce qui signifie Sekiro. C'est le nom que je vais te donner. Qui êtes-vous? Je suis le Tengu Dashina. Viens, Sekiro. Tu veux chasser quelques rats avec moi? Quoi? Des rats se sont infiltrés à Ashina. Ils sont partout, comme s'ils étaient chez eux. Il y a toutes sortes de rats dehors. Il faut tous les massacrer. Tous jusqu'au dernier. Tu sembles avoir du talent pour ce qui est de tuer. Laisse-moi t'aider à développer ce talent. Alors, Sekiro, viendras-tu chasser des rats avec moi? Très bien. Excellent. Il te faudra ça si tu es avec moi, Sekiro. Alors, description de rat. Ils sont infiltrés à Shima. Allez de nouveau à Tengu. Occuper des rats. Les rats assassinés. Alors, assassin du temple Sampo. Des chapeaux à bambou. Ils sont plusieurs. Dernière fois à la porte du château d'Ashima. Qu'est-ce que c'est?
une tête de rat. C'est quoi, c'est le mec violé là? Se taire. Va le tuer. Je te donnerai quelque chose d'utile pour tes prochains combats si tu le fais. D'accord, donc il m'a filé un contrat où je dois buter un gars. Vu que, enfin, j'allais dire vu que je bute tout le monde, bah non, c'est un mensonge. Mais ouais, on verra bien. Ah oui. J'ai oublié. Forcément. Qu'est-ce donc? D'accord, il m'en faut 4. Ah, oh, le mec, il a fait un truc pour nous dire qu'il faut ouvrir le coffre. Mais j'aime bien le petit côté. Bah ce côté-là, là, comment on appelle ça? À la... merde, j'ai oublié son nom. Je l'ai dit tout à l'heure. À Demon's Soul et Dark Souls. Où le mec disait... tu te mettais dessus et ça te disait attention. Devant, ça pue, ou il y a un piège, ou... Ou des fois t'avais des mecs juste là en fait, genre cachés, et dès que tu passais ça faisait BAM! Et tu te faisais défoncer. Eh, je connais ici. Ah ouais, lui, je l'avais tué. Il est là. Par contre... Bah, par contre, c'est cool, mais je vais où? Attends. Je suis remonté là au château. Que moi je passe là. Je pense que c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître parce qu'elle n'y était pas la dernière fois. Ah, c'est là le petit dash. Oh, le trolleur. Genre faut que je saute dans le vide là. C'est... Désolé mais ça ne me sied pas. C'est quoi ça? Ah... C'est là. Me disait aussi. Allez, c'est parti. Là, il y a un mec. Ah oui, comment on s'en débarrasse? Par où je peux passer? Je peux pas passer.
Bon bah tant pis hein, on le défonce. Bon. J'avoue, c'est lui qui... J'ai pas fait gaffe que c'est un archer. Ninja! Alors, regardons un peu tout ça. C'est quoi ça là-bas? Il semblerait que la maladie d'Ishin soit vraiment grave. Ashina ne tiendra plus très longtemps, même avec Genichiro à leur côté. Et pour l'autre mission, Chapeau Noir se bat comme un démon là où le château donne sur la vallée du serpent. Alors c'est là qu'on va entrer. Mais faites attention. Furet Chapeau Noir ne se rendra pas sans combattre. D'accord, donc là il y a des mecs. Faudrait que je monte. Faudrait que... Là-bas il y a des trucs. Il faudrait que je monte par là. Là il y a un mec. Là il y a un mec. Là je suis tombé. Que la maladie d'Ishin soit vraie. Ah ouais, il m'a brisé la nuque en mode comme ça quoi. Et je suis mort. Bon bah j'ai compris. J'ai compris. Ces mecs-là, faut pas les tuer. Allez, on est parti. Il m'a redéfoncé, lui. Qu'est-ce que tu proposais, toi? Ah ouais, quand même. Débilos. Mais qu'est-ce que j'ai branlé en fait? Allez, je meurs, je recommence. Vu que je fais n'importe quoi. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas fait pour la discrétion en fait.
Avant, j'étais un fan de la discrétion dans les jeux comme ça, mais là. Ah, le mec il me touche tout le temps. D'accord, donc là, il y a des mecs. Ah, je me suis couré de boutons. Quand tu veux, tu gardes. Ok, super, le mec il garde même pas. Toi, t'as fait ton erreur. Ouais, je vous l'accorde. Je joue très mal. Et par contre, ça, c'est mon problème. Avec les traces comme ça, j'ai tendance à tout le temps les regarder, quoi. On tue lui parce que ça fait plaisir. Allez. Bah du coup, on progresse. Ah oui! Faut que j'utilise. Comment on fait pour utiliser la gourde médicinale? C'est ça. J'aime pas ce bruit-là. C'est quoi ce gros monstre? Non, 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 non.
Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, c'est pas vrai. Oui. Me casse. M'en fous, je me casse. Ils sont fous, eux. Je vais pas affronter ça. Je meurs déjà contre des mecs lambda, alors contre ça. Mais comment fait-il pour me voir? Là, il y a un mec. Je peux même pas. C'est quoi ce délire? Je peux même pas m'agripper là-haut? Non! Ah, il y a des trucs. Que me proposes-tu? Non, me propose. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, rien du tout. Le mec, il a juste regardé, quoi. Ouais, la vue est jolie. D'accord. Alors. Je lui sauterai bien sur l'arable. Comme on dit dans le jargon. Mais j'ai peur que l'autre gros va me capter direct en fait. Donc faut passer en mode fufu. Objet de valeur, j'en fous. Oh putain! Je les ai pas vus. Non, arrête! Mais non! Oh là 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 là! Trop de boutons! Devrait essayer à l'avant en cas d'adversaire extra. Je vois. Ah, par contre, je peux espionner. On va vraiment utiliser cette chose pendant la bataille. Autre choix avons-nous? Quand la situation est désespérée, nous n'avons pas le luxe de réfléchir à ce que les autres pourraient penser. Oui, mais... Hé, du nerf, soldat. Continue de parler comme ça et je te colle un rapport. Et en colère, il ne fait pas de différence entre les amis et les ennemis. D'accord, donc apparemment, il veut l'utiliser un monstre.
Et même eux. Même eux, ils trouvent que c'est chaud. Ouais, c'est vrai qu'en plus, ce jeu-là, c'est la base. Faut être le plus discret possible. Hop, une petite fée. Je ne sais pas à quoi elle sert. Ouais, sauf que moi je fais comme ça. C'est quoi ça? Waouh, des geckos. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je continue par là. Ils sont combien? Ils sont au moins 5? Non, j'affronte pas. Je me casse. Allez, salut les gars. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de méchant quoi que ce soit. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop où je dois aller. Par contre, ici, il y a pas mal de... Oh, il y a un ennemi là-bas. Que la maladie d'Ishin soit vraiment grave. Ashina ne tiendra plus très longtemps. Attends, mais c'est le... Mais non, je me suis gouré en fait, moi. Mais oui, je me suis gouré. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pour vous dire à quel point il y a du chemin partout. En fait, c'est par là que je dois passer. Donc oui, c'est là où. Je peux pas mettre là-haut directement, non. Putain, je suis obligé de les affronter. D'accord.
What? What, ce coup de lire? Allez, bouge! Non mais je vais clamser, je savais même pas ce qu'il fallait faire. Non mais si, faut pas faire ça. Waouh! Bon bah je suis mort. Ah ouais mais ça m'a surpris. Il t'indique jamais quand est-ce qu'il y a un monstre, quand est-ce qu'il y a un truc et tout. Oh putain, je suis obligé de tout refaire. Vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ah non, c'est lui. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Non, non, non! Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, purée! C'est pas possible, ça! C'est quoi ce ninja? Il vient pas de Konoha, lui, ça se voit, si? Ouais, quoique, si, ça se peut! Avec la génération en Boruto. Vas-y, qu'est-ce que tu proposes, toi? Mais n'importe quoi, t'as pas besoin de ça pour le tuer. Moi, je voulais un truc pour m'accrocher.
Comment je vais faire pour tuer le rhinocéros là? Vas-y toi, viens pas me saouler, je suis en train de regarder des messages de mes amis fantômes. Ouais, en gros, j'ai pas le choix, faut combattre quoi. Ah, et puis il est mort. Voilà, ça s'est fait. Ouais, faut couper. Remets-toi bien. Mais non, remets-toi bien. C'est quoi ce personnage? Putain, il se met accroupi tout le temps. On peut courir au moins dans ce jeu? Attends. Ah putain, ouais, on peut appuyer sur ce bouton là pour courir. D'accord, bah ça va mieux. Ça ira plus vite. Puis pour esquiver, je pense que c'est le... C'est reparti, mes amis, c'est reparti. En fait, je viens de comprendre. En fait, le jeu en lui-même n'est pas dur. Si tu respectes bien le côté shinobi, tu te jettes pas dans la gueule du loup ni rien. Normalement, c'est bon. Le seul truc qui est difficile, c'est les boss en fait. Pas besoin de faire un jeu, hein. Tu fais que des trucs de que tu mets que des boss. Oh, la stratégie du rhino, je sais même pas comment on peut faire. C'est où un animal? Est-ce que je ferais pareil que le cheval? J'ai peur que ce soit trop facile. Déjà, je vais prendre un coup de gourde, on sait jamais.
Oh, 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 oh. Remets-toi dessus, remets-toi dessus. Remets-toi dessus. Oh, il m'a défoncé. Wow, 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 hey. Cours, 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 cours. Et je suis mort. Bon, je viens de comprendre qu'avec les pétards ça marche. Par contre, ce qui est chiant, c'est que la visée elle reste jamais quoi. Merde, j'ai cliqué sur être divine. Non, je voulais pas. Enfin, je sais même pas si c'est moi qui ai mis ça, mais. On verra bien. On y retourne, on va affronter cet animal.
repose-toi. Greg, ça s'est calmé. Ces maudits voleurs sont encore vivants. Quoi? Et le taureau? Où est le taureau? Oh putain, foiré! Comment il m'a défoncé avec sa lance? Bon, ça va, j'ai vite compris la technique. Disons que j'ai pas mal géré. Mieux que ce que j'espérais en fait. Loué soient les cieux, loué soient les cieux. Pourquoi priez-vous? Hein? Vous là, vous avez entendu parler du temple Senpo? Le temple Senpo sur le mont Kongo. Une sainte personne, quelqu'un de spécial vit à cet endroit. Allez, joignez-vous à ma prière. Loué soient les cieux, loué soient les cieux. Bouddha soit loué. Que j'ai besoin de me reposer sûrement. Est-ce que je peux améliorer? Non. L'attaque non plus. Il faut 4 perles, j'en ai 3. Il faut un souvenir, j'en ai 0. Bah ok, on est reparti. De quoi ça s'agit? Oh, le mec il a fait son truc où il parle à la vieille. Ils sont en paquet là-bas. Mais il y a quelque chose au fond de l'eau. Comment fait-on pour y aller? Faut se suicider? Ce serait la technique? Ah non! Non, il y a une distance de cordage, je pense. Ouais, ou tu tombes dans l'eau direct comme ça, quoi. Mais comment fait-on pour ressortir de cette eau nauséabonde? Ah! Ah non, je peux remonter par là. Hell Ninja! On va regarder. Merde! Par contre, j'ai vu que je pouvais passer par là. Donc passons par là. Voyons de quoi ça s'agit. Ceci est de la merde. C'est une entourloupe. Petite bourse, une boursinette.
Donc c'est toi qui as mis l'armure à ce gros gaillard de l'unité Taro ? Ouais. Il était pas content du tout. Ça a été un boulot horrible. Mais on dirait que ça a payé, non ? Il était déjà énorme et très fort. Et grâce à toi, il est pratiquement invulnérable aux lames. C'est vrai, mais il aime pas cette armure. Et il a vraiment pas aimé que je lui mette. Et au combat, parie qu'un adversaire rusé saura lui arracher dès le début. Ah, il y a une technique pour lui arracher son vêtement. Par contre, ils sont deux. Par où je peux passer ? Trouvons la bonne technique. Est-ce que je dois les tuer eux forcément ou est-ce que je peux passer par là? J'ai envie de passer par là en fait. J'ai envie de voir ce qui se passe là-bas. C'est ça le truc. Voyons si ça me propose des choses intéressantes. Une idole que j'avais pas. Une porte? C'est pas là qu'il y avait tous les autres hommes, tous les hommes. Ok, là il y a deux mecs. Par contre, j'ai vu que je pouvais passer par là. Le réservoir d'Ashima. Mais attendez, ça me dit quelque chose. Cet endroit. Vas-y, ferme-le, toi. Ah non. Je pensais. Mais en fait, non. Intéressant. Alors, de quoi ça s'agit? Sous le sol, d'après vous? Mais si! C'est ici qu'on débute l'aventure! Le petit, il était enfermé là-bas. Le petit, il était enfermé là-haut. Attends, je suis revenu en arrière. Alors, prends-le. Là, il y a des vilains. Cachons-nous pour éviter les vilains. Mais merde.
J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Saute. Oh, heureusement que Spider-Man, c'est mon père spirituel. Je m'étais gouré de boutons. Pas par la courante. Un bébé. Pas par la courante. Ok. Faut passer par en dessous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se remettre à sa place? S'il se remet à sa place, il y a moyen que je le tue de... Je l'assassine en mode aérien, quoi. Ah. Il a deux vies. Il m'a vu, le gros. C'est pas possible, il m'a senti. Parce qu'on regarde attentivement. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Y a rien. C'est un JPEG. Il l'a tué? Si c'est vrai, c'est... Bah, je suis mort. Super, j'appuie sur esquive, ça marche pas. J'appuie sur autre chose, ça marche pas. J'ai sauté et je me suis tué tout seul en fait. Je me suis bousillé toute ma vie. Alors que je voulais sauter sur lui. Bah non, on peut pas ouvrir. J'ai refait n'importe quoi, j'ai bousillé toute ma vie. Ah, mais c'était de l'autre côté en fait. J'y repense, le contrat, c'était pas là. Tous les mecs qui étaient dans le couloir, devant la porte, c'était ça en fait. Le mec avec un chapeau à la porte d'Ashima ou une connerie comme ça, je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est ça.
enfoiré, je l'avais pas vu. Oh non, mais là. Là, je meurs, quoi. Je vais pas gaspiller des trucs pour lui. Mais oui, les trucs, les mecs de derrière, c'était ça, en fait. Ça doit être ça. Le mec qui est ici. C'est ici. Oui, je tente des nouvelles routes. C'est fermé. Ah oui, c'est ici qu'on devait ramener le petit. D'avoir mis un arbre ici, mais il sert à quoi? Par contre, une fois que tu es descendu, tu peux plus remonter, si je comprends bien. Ah si. Oh là, oh là, oh là. Oui, je tente des trucs. Hein. Ah, mais là, il veut pas s'accrocher. Ouais.
Oula, oula. À trop appuyer sur le bouton. J'en ai marre en fait. Je fais que des conneries. Bon allez, on y va, tant pis. En fait, je me tue là. En fait, fallait pas le tuer lui, je voulais lui parler. Je crois qu'il y avait un bouton pour parler. Et j'ai appuyé dessus pour tuer en fait. C'est pas là. Feriez-vous ? D'accord, donc j'ai foiré le truc parce que je devais lui parler et enfin je crois. Ah, ok. Ah. Il disait que je trouverais un loup heureux ici, mais aucun signe de lui. Un shinobi incompétent et brisé, vivant dans la disgrâce. J'espérais voir un tel homme par moi-même, mais je n'aurais pas cette chance. Et s'il ne peut vraiment pas mourir, je tomberai forcément sur lui à un moment ou un autre. Voilà. Tu le loues contre la larme. La balance est heureux. Cela paraît que tu es mort. Là, je viens de te prouver que je suis mortel. Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait, mon bonhomme? Ouais, bah c'est bon. Il faut pas venir ici. C'est bon à savoir. Bon. Oui, je sais. Avance, qu'est-ce que tu es en train de foutre? On veut la suite, machin. Je m'en doute.
Ah ouais, d'accord, tu lui prends une vie comme ça. Ok. C'est un peu pute, mais bon. En même temps. Oh non, mais c'est quoi ce coup qui m'a mis là? Ouais, bah lui, j'irai le tuer plus tard. Il vient de reprendre le jeu après je sais plus combien d'absence. Si, je crois que je suis une semaine. Non, 2 semaines. Bah non, j'ai fait le live d'Halloween, donc 2 semaines. Allez, on va aller affronter l'autre là. La rattrape que j'ai fait. Oh putain. J'avais refait des conneries. Tu m'as dit, faites ce qui doit être fait. Mais je ne sais toujours pas ce qui doit être fait. Je ne comprends pas pourquoi ai-je hérité de ce pouvoir. Waouh. Oui, c'est vrai, c'est ici qu'on était venu chercher le petit. Et si vous savez pas de quoi je parle, référez-vous à la première vidéo. Déjà, regardez la première vidéo avant de regarder celle-ci, hein, c'est moins con. Putain, c'est pas possible. C'est quoi cette allonge de malade? Tiens, je vais prendre un coup de gourdinette, comme ça je serai à fond.
Il m'oublie au bout d'un moment ou pas? Parce que s'il m'oublie, j'ai juste qu'à redescendre tranquille et... Et oui. Et oui, oui, et maintenant... Quoi, si on veut pas regarder la deuxième vidéo, la première vidéo, et ben tu... Ben voilà, vous avez une bride. Ah ouais, non, sa vie, elle est revenue. C'est pas cool. Bon, hein. Tuons-le. Bon, ben voilà, ça c'est fait. J'aurais pas dû l'attaquer de front directement. On recommence. Ce coup-ci, je me dépêche pour venir jusqu'à lui. J'ai un peu de mal avec tout, mais les lances, j'aime pas. Hein? Qu'est-ce... Non, bah non, bah là, non. Je sais, ça aurait été plus rapide de me faire tuer par ces cons-là, mais... Ah non, je suis à côté de lui, on voit la boule rouge dans son dos, je mets un coup d'épée, l'autre il passe à côté, on me... Ah excusez-moi, je passais par là. Non mais attends, c'est quoi ce jeu? L'affaire... Allez, là, on sort les doigts. Et on le tue. Quoi? Ah, merde! La garde! Comment lui enlever son armure? Oh non mais là! Là il y a de la triche là! Déjà il utilise une lance. Ça c'est de la triche. Et de deux je suis arrivé directement sur lui. Il y a un truc qui va pas d'habitude, je venais pas. Ah oui, c'est le... Merde! Complètement gouré de boutons. Bah alors, j'ai appuyé! Non, non, là, le jeu est terriblement mauvais.
qu'est-ce qui m'a fait le jeu? Mais non, c'est pas... Oh, je me gourde de boutons et tout. Non, mais c'est... Allez, recommençons sur des bases solides. Comment on fait pour remonter là-haut? Ah, voilà. Là, c'est plus worse, c'est plus fun. Déjà, je vais prendre un coup de gourdinette. Comme ça, hop. Par contre, je sais pas combien il y a de boss dans ce jeu, mais si par vidéo qui dure environ 3h à 7h, ouais, ça fait environ 4. Disons, mes vidéos font entre 3 et 4 heures. Enfin, mes lives. Et je tue deux boss à chaque fois. Ouais. Bob Lennon, il a Skyrim. Bah, ce jeu-là, ce sera mon Skyrim en fait. Je vais mettre une centaine de vidéos avant de finir le jeu. Il veut pas. Il sait que je suis là, le salon. Il veut pas abandonner le combat. Il est où? Il est là. Je pensais pouvoir le faire tomber, mais en fait il a pas voulu tomber. Bah voilà, il m'a défoncé. Alors ce que je vais vous dire, j'en ai marre. Mais c'est pas le jeu en fait, c'est plus à cause de moi. J'en ai marre parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Après, bon, vous allez me dire aussi, ouais, c'est normal, c'est logique avec les jeux exigeants comme ce type de jeu, mais bon. Ah, il est là, lui, c'est pour ça qu'il m'avait vu tout à l'heure. Ouais, je voudrais, franchement... Personnellement, je voudrais être très fort sur ce type de jeu en fait.
Mais ça, c'est comme tout. Moi, au début, c'était pareil quand j'ai fait. Alors, par contre, je vais sûrement me tromper dans le nom. Mais quand j'ai fait Dark Souls. Non. C'est quoi les premiers? Les premiers, c'est Demon Souls et après, c'est Dark Souls? Bref, quand j'ai fait Dark Souls, Demon Souls, je sais plus. Au début, j'avais du mal. Après, ça a été mieux. Mais j'avais quand même du mal. Wow. Ah oui. Mais non, mais c'est quoi son allonge? Dépêche, gourdinette. Non, mais le mec, les coups qu'il me met, quoi! Non! Putain, c'est pas possible! Putain, j'aime pas les mecs avec les lances, parce que... Putain, ils m'ont... voilà, ils mettent le mode casu, quoi. Oh, putain de merde. Pardon. C'est pas possible. Tu fais ça, t'appuies sur le bouton, et normalement, il doit pas tomber par terre. Enfin, dans le vide. Allez, là j'en ai marre, j'ai envie d'avancer, faut que je le tue. Par contre, je suis sûr et certain que je suis en train de faire n'importe quoi parce que c'est pas là que je dois aller. J'ai pas l'impression de... Pourquoi je dois revenir dans ce temple-là C'est pas ici, la suite de la route. C'est pas possible. C'est pas possible. Non! Mais non, c'est quoi? Par contre, mon bonhomme. Non, mais ça sert à. Franchement, le bonhomme. Dans le jeu, ça sert à rien de lui mettre une barre de vie en fait. Un coup, sa vie elle est partie. Donc, je suis désolé, ça sert à que dalle. Et je suis sûr que c'est pas par ici en plus. Bah si, je suis arrivé là, là-haut il y avait la porte. Si je les aurais tués les autres, ils auraient ouvert cette porte-là. Si, je pense que je dois tuer ce con-là, mais...
l'impression que c'est là, hein, parce que là-bas, non, c'est un... C'est un mec, c'est un autre mec. Ça me... Franchement, ça me choque que je dois... Merde, j'ai pas tué lui. Ça me choque que je dois revenir ici, en fait. J'ai dû me tromper quelque part, ou... J'ai démarré on démarre le jeu ici, donc je comprends pas en fait. J'ai l'impression que je me trompe. L'impression de me tromper en fait, d'être revenu ici pour rien, et puis que une fois que j'aurais tué le monstre, ben ça va me dire ouais tu l'as tué, et alors dès que j'arrive à le tuer, lui, je me rebarre voir le mec au temple. Où on va dire améliorer mon perso et puis on verra bien. Gourdinette, vite. Non! Oh non, mais... Donc la gourde, ça ne sert à rien. Me saoule, ce jeu. Ouais, je retourne en arrière. J'ai envie de revenir là-haut, en fait. Comment j'ai fait pour passer ici en fait? On peut pas revenir. Oh putain de merde. T'es relou, toi.
C'est pas possible, on doit pouvoir revenir. Je peux pas me lâcher. Non, en fait, on peut pas revenir, j'aurais pas dû descendre. C'est grave bizarre. On dirait que point de vue design, je sais pas, c'est... Ouais, non, c'est... Bon, bah, je peux pas revenir en arrière et... Ça, j'ai déjà du mal à lui enlever une barre de... Une barre de vie, alors... Heureusement qu'on peut lui en... On peut lui en enlever une. Heureusement qu'on peut lui en enlever une comme ça en discret. Mais non, c'est franchement contre les boss, la barre de vie, elle sert à rien. Le mec qui me met un coup, ça m'enlève toute ma barre de vie. Et voilà, il m'a enlevé toute ma barre de vie. Pas possible, putain. J'ai voulu remettre un coup de pétard, mais il est tellement rapide avec sa lance aussi. Pourtant, ça se passait bien là. Franchement,
Heureusement que j'aime bien le jeu. Non, c'est pas ça. C'est heureusement que j'aime beaucoup le jeu. Sinon, j'aurais déjà fait, j'aurais arrêté. Sur ma chaîne, j'aurais mis juste un seul épisode en disant bon, ben voilà, c'était le let's play découverte. Enfin, c'était une découverte, vous vous démerdez maintenant. Vous voulez voir la suite, vous allez sur notre chaîne, ou alors. Je sais pas, achetez le jeu, jouez, faites-vous votre propre opinion, machin. Mais là, même si j'y arrive pas, ben je le fais quand même. Parce que j'ai envie de le faire ce jeu, j'ai envie d'aller au bout. C'est pas possible. Le mec me met un coup. Allez, c'est bon. Vas-y, tu dégages. Déjà, bon, là, ça me fait bégayer. Mais je passe plus de temps à faire le chemin. Je passe plus de temps à faire du chemin que. Comment ça me saoulait aussi ce jeu. Je passe plus de temps à faire du chemin que à me battre contre le boss. Au bout d'un moment, c'est. Voilà. Les joies du Diane Watry. Alors regardez, putain, c'est pas, c'est, je viens de me remettre ma vie à fond et le mec. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Putain, le pattern en plus, j'arrive même pas à choper son pattern. Je sais même pas s'il en a un. Ça tombe, il a un pattern évolutif, ce qui m'étonnerait pas. Hein, c'est. Sur ce genre de jeu.
Ouais, je vais peut-être essayer ça. Je vais peut-être essayer un truc. Je vais peut-être. C'est vrai que j'utilise jamais parce que j'aime pas trop ce genre de petits trucs, mais faudrait que je mange une sorte de bonbon avant qui me donne plus de force. Que je frappe plus fort avec mon épée. Attendez. J'ai pas ça? Un petit bonbon là? Bonbon fabricant s'en fout. Augmente temporairement la puissance d'attaque. C'est ça qu'il faudrait que je prenne. Histoire que je lui fasse mal quand je le tape. Ah purée, je peux pas le garder ça, c'est vrai. Salut, salut. Quoi? Ah putain, tu te foutais de ma gueule. Ah là là, ça c'est pas gentil. J'allais dire merde, 4 boss. C'est bizarre. Ou alors je m'étais trompé de route et j'étais arrivé au boss de fin, mais. Oh le troller, toi. Ouais, il fait son attaque. L'attaque que je peux pas garder, mais. C'est vrai que j'ai tendance à oublier ce genre de conneries aussi. Attends, il y aurait si peu de boss? Ah non, à la fin, tu veux dire, parce que pas dans le jeu. Ah, donc je suppose qu'il faut que je reprends, ouais, faut que je remange mon bonbon, c'est ça? Mais c'est pas possible. C'est quoi son allonge? Faut que j'arrête de reculer en fait. Faut que je, quand je dash, enfin quand je dash, faut que je dash sur le côté. Parce que ouais, il a tellement une grosse allonge que non, j'y arrive pas. Ouais, ça va pas, ça va pas. Ah merde, quel con. Me suis gouré de boutons.
Putain, j'ai plus de bonbons. De toute façon, ça, le bonbon, ça ne sert à rien. Allez. J'en ai marre là. J'ai passé trop de temps dessus. Il faut le battre. Merde. Si je commence à confondre les boutons en plus, alors que ça fait je sais pas combien de temps que je joue aujourd'hui. Mais non, j'avais esquivé sur le côté. De quoi? Sa barre de vie, elle avait baissé à peine. Non, mais c'est bon, c'est... Je sais qu'il y a la technique, il y a une technique, parce que j'avais surpris une conversation des gardes où il disait que celui qui s'y prend bien, il peut lui enlever son armure, mais... Je vois pas comment je peux faire pour lui enlever son armure. Ah là 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 là, c'est pas possible. Oh, et puis je l'ai pas attaqué, je suis un débile. Esquiver trop tôt peut-être, je sais pas. Oh non! En avoir ras le bol. Et dire que je suis qu'au début du jeu.
Oh là là. Est-ce que j'arriverai à le battre? C'est pas sûr. Mais non, j'ai esquivé! Oh putain, c'est bon. Qu'y a-t-il ? On dirait que ton sens du combat est revenu. Ouais, je sais pas. Tu es un peu plus shinobi qu'avant, mais pas énormément. Prends ça. Alors, texte ésotérique, hein, un livre de secrets. Qui détaille diverses techniques employées par un shinobi permet d'apprendre des compétences de l'arc. De shinobi, là se trouve le secret le plus enfoui d'art des shinobi, comme les attaques aériennes et les techniques de furtivité. Les samouraïs ne pratiquent pas ces mouvements. Qu'est-ce que c'est? Des techniques de shinobi, ce sont des techniques de combat qui ne peuvent pas être exécutées par des samouraïs. À toi de voir si tu les utilises ou pas. Les shinobi ne sont pas les seuls à avoir leur propre technique de combat. Compétence. Posséder le texte ésotérique d'un style de combat permet d'en acquérir une compétence dans le menu compétences. Les sculpteurs, chaque ennemi vaincu rapporte de l'expérience. Dès que vous avez assez de points de compétences, vous pouvez les dépenser pour déverrouiller des compétences. Vous pouvez aussi apprendre des compétences, trouvant des objets, d'accord. Il est où son truc de shinobi là? Art de combat. Ah, c'est ça? Arts martiaux de shinobi. Attends. Je vois que tu as acquis quelque chose d'intéressant. Un canon mécanique. C'est un mécanisme
qui constitue le cœur même de la prothèse. Donne-le-moi. Je vais l'ajouter au bras pour toi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec une base aussi adaptable que celle-ci, je peux utiliser divers agents purificateurs pour affûter davantage ton croc. De quoi s'agit-il? Les agents purificateurs sont des matériaux qu'on peut utiliser avec le canon, comme la poudre ou les morceaux de métal. Alors si tu en trouves, n'oublie pas de me les apporter. C'est ça son truc de canon? Non, c'est pas ça. Bon, bref. As-tu vu le sculpteur récemment? Oui. Tout ce que je sais, c'est ce que Dogen m'a dit il y a longtemps. L'héritage du dragon peut octroyer le pouvoir de résurrection. Mais ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Utilisé de façon répétée, il provoque une stagnation qui à terme atteint un seuil de débordement. Et cela provoque une maladie chez ceux qui n'ont pas le pouvoir. Une maladie qu'on appelle la peste du dragon. Il en savait long sur le sujet, mais il a tout de même échoué à trouver un remède. Pardonne-moi. Existe-t-il un moyen de soigner la peste du dragon? Je ne sais pas, mais il faut y mettre un terme. Je ne suis pas sûre, mais la première chose à faire consiste à étudier les recherches de mon mentor, pour voir si je peux trouver un moyen. Merci. Ah ouais, ok. Au revoir. Et est-ce que lui, est-ce que je peux... Ah, c'est toi. Est-ce qu'il va me parler je des trucs de Shinobi? Je suis à ton service si tu veux affiner tes talents à l'épée. Entraînement, combat libre, parler, non, c'est... Oh, si tu as... Par contre... C'est quoi ce les compétences de Shinobi là, je comprends pas. Bon. Ah, c'est ça, non? L'art des Shinobi ici, c'est ça. Acquire le combat de tornade tourbillon, l'art de Shinobi contre Mikiri. Permet de contrer un coup d'estoc ennemi en écrasant la lame avec le pied, ce qui inflige de lourds dégâts de posture.
Il est presque impossible de percevoir la vitesse de Nestok, sauf si on a des yeux de shinobi. Qui garde contre les attaques aériennes ou les dévis. Et ça c'est contre glissade. Permet de glisser pour s'accroupir après un sprint. On va essayer de. J'ai pris plus loin. Enfin, plus loin, je suis à côté, mais. Je vais essayer de. Je vais essayer de voir si je peux aller voir la cible. Les attaques spéciales à certains styles de combat. L'art du combat, vous devez les équiper dans le menu équipement. Vous pouvez les apprendre dans le menu compétences. RBLB. Ouais, c'est là, c'est eux là. Seigneur Kuro, l'heure est venue, Danima. Oui, je sais. Maître Ginichiro attend, n'est-ce pas? Je vais retourner au sommet du château Ashina. Ce sifflet de roseau que nous avons déjà utilisé, cette fois, il me servira à t'appeler. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina! Nous sommes invincibles! Oh! Pour Ashina! Oh! Non! J'ai foiré! Oh, bordel de nouilles! C'est qui, lui? Dites-moi, l'ami, vous n'êtes pas l'un des samouraïs de ce château, hein? Vous avez l'air d'un shinobi. D'un shinobi redoutable, je dirais. Ouf. Pas très bavard, hein? Très bien. J'ai un marché à vous proposer. Je veux que vous éliminiez les samouraïs du coin. Il y a eu un fâcheux incident. Et depuis, ils me traquent jour et nuit. Je n'en peux plus. Si vous voulez mon avis, ces samouraïs Ashina ont tous un balai dans... Enfin, ils ont sûrement des choses plus importantes à faire que de me courir après, non? Ouais. Oh... Merde. Oh mais je suis un boulet, sérieux, c'est pas possible.
Mais non! C'est pas possible, je fais exprès. Mais... Voilà, c'est exact, c'est ça que je voulais faire. J'ai pas compris en fait, je me suis fait défoncer dans le dos. Ouais, je suis mort. Je veux pas rester ici alors que... Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. La bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. Oh, pour Ashina. Ah ouais, mais les mecs ont des fusils aussi, les enfoirés. Ah non! J'ai relâché ma garde, c'est pas possible. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. Oh! Oh putain! Ils sont relous avec leurs fusils aussi. Ah, puis il m'avait tué avant! Oh non, c'est pas possible. Je suis tellement mauvais! Je peux pas me battre contre des mecs! Ça sert à rien! Ça me saoule en fait! Le bonhomme, il a aucune résistance. Ah, le problème, c'est que c'est comme dans la vraie vie, on dirait. Vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort. Et je suis mort. Ah non, mais c'est... Non, mais c'est... Voilà, c'est ça. C'est... C'est pas possible, ça. Excusez-moi. Je
suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. J'ai failli tomber. Je suis mort. Relève-toi vite, vite. Oh non, c'est pas possible. Les mecs, ils sont... Bah, ils sont un peu pareils que nous, en fait. Quand ils sont... J'ai l'impression qu'ils ont une sorte de lock. Et t'as beau bouger ou... Faire ce que tu veux, le mec t'a loqué. Tiens, c'est quoi ici? Ah, c'est là où... D'accord, et ça fait une sorte de... Une sorte de raccourci. Merde, j'ai appuyé. Ah, quel con. Par là, il y a quoi? C'est con, on aurait dû une sorte de raccourci. Bon là par contre le raccourci sert à rien. Bouge, mon con. Ouais. Il y a un truc que je fais mal ou je ne sais pas, mais...
Le bonhomme, j'ai l'impression, franchement, il est en sucre. Ouais. Ouais, j'allais dire, t'es sérieux, on peut plus remonter. Il a aucune défense. Il se prend un coup, c'est fini. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Comparé aux autres. La bataille décidera du sort de Tuashina. Nous devons risquer nos vies pour le seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes à... Mais c'est quoi ce personnage de merde? C'est pas possible. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non mais voilà. Non mais voilà, voilà. Ça sert à rien en fait. Le mec, je le tape, il dit bah non, moi vas-y, tu peux me taper pendant 1000 ans, hein, je vais charger mon coup, ça me fait rien et je te défonce. Franchement, non mais au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Comment veux-tu gagner? Le jeu te respecte même pas. Aussi à ce compte là hein, je peux t'en sortir 10 par je peux t'en sortir un tous les ans de jeu comme ça hein. Si c'est ça la recette pour se faire des couilles en or tu prends un bonhomme, tu lui mets très peu de points de vie genre quand oui ouais très peu de points de vie, les boss bah les mecs ils ont de la défense. Il frappe énormément fort, et voilà. T'as un Dark Souls like. Et tous les gens ils disent « Oh putain c'est génial, les mecs ils sont trop forts, c'est des génies. » Bah non, c'est juste que t'es pas... Tes boss ils sont limite immortels et toi, bah tu... Ton bonhomme il est en sucre. Voilà. Et voilà. C'est un jeu qui saoule, oui, effectivement. J'ai plus la patience pour ce genre de jeu. J'ai lâché quand je me demandais trop de concentration sur. Bah ouais, c'est oui, ouais, ouais effectivement. Ouais. En fait, le jeu, si tu regardes bien. Le jeu, c'est qu'une surface. Hein. En fait, le vrai affrontement, c'est toi. Hein. Tu luttes. Quand tu commences à jouer à ce jeu-là, tu luttes pour pas te dire...
Allez, c'est bon. Il m'a saoulé, j'arrête. C'est toi ton plus grand combat en fait. Tu combats, tu te dis non, il faut que je continue, il faut que je joue. Même si je dois passer 10 heures sur le même boss. Ouh, dégage. Ouh, mais non. Tu aurais de pommes. Ouais, bah oui, complètement. Complètement. Mais en fait, tu luttes contre tes limites. Oui. Oui. Oui et non. Parce que... T'as beau faire tout ce que tu veux. Si ton bonhomme c'est. Si ton bonhomme c'est de la. C'est un fétu de paille. Je sais pas. Le truc c'est qu'il faudrait donner de la force au bonhomme au bout d'un moment. Qui puisse rivaliser un minimum contre les boss, quoi. Parce que là, le mec, j'ai beau lui mettre des coups de sabre, ça marche pas, quoi. Après, tu vas me dire oui. Pardon, tu vas me dire oui. En vrai, mon bonhomme, c'est vrai. Alors, regarde, il est juste avec des vêtements en tissu. Tu te prends un coup de lance, t'es cané. Je suis d'accord avec toi. Mais le boss, fort comme il est, je suis désolé, il a qu'une armure. Son armure, elle est pas là pour tenir 107 ans. J'ai un sabre. Hein. Au bout d'un moment, ton armure découpe à travers. Et lui, il doit pas être plus résistant que moi. Ah merde, c'est là. Mais non, regarde, regarde sa barre de vie, elle bouge même pas en fait. Waouh. Ouh. Non, c'est ça. Bon coup, voilà. Putain, c'est pas possible. Regarde ce que je lui ai enlevé en barre de vie. Non, mais c'est pas possible. Après, la dernière fois, pour le boss avec le cheval, c'est moi qui avais déconné. J'ai essayé de l'affronter. J'avais pas la bonne technique ni rien. C'est dans le chat qu'on m'a dit « Bah non, tu pourras pas le battre, il faut que tu utilises les pétards. » Là, là, j'ai l'impression que... Non, je sais pas, j'ai... Regarde, le mec il m'a parlé menu, il m'a parlé du canon. Mais j'ai pas l'impression d'avoir un canon en fait. J'ai les pétards. Euh...
LB, c'est quoi? Plus putain, ça m'énerve avec ça fait je sais pas combien de temps que je joue avec une manette Xbox. Oui, en plus les ça lance à l'égitté, ouais. LB RB. J'ai une manette Xbox depuis je sais pas combien de temps, j'ai jamais su c'était quoi les noms. D'accord. Ah non. Mais je comprends pas. Non, ça c'est LT. C'est quoi LB? Ouais, c'est ça. Ça c'est LB. Ça c'est quoi ça? Ça c'est LB. Ouais, ça c'est LB, ça c'est RB. Ils me disent de faire les deux, je suis désolé. Il est où ton tourbillon là? Ah ouais mes gars. Si j'ai même pas les coups qui marchent Ouais, il a un R1. Attends, j'ai... Il faut l'activer, il faut le... Ça s'active tout seul, je sais pas. Ah, j'ai peut-être un truc aussi. C'est qui a une lance? Non, je suis en combat, ça marche pas non plus. Hein. C'est bizarre, ça, c'est bizarre. Ça, c'est son coup normal. Ah ouais, mais d'accord. Ah là. Faut l'activer en fait. Par contre, ce coup-là.
C'est pas fou, quoi. Coup d'emblème 2, ou ça? Alors, où as-tu eu coup d'emblème 2? Je sais pas où t'as vu coup d'emblème 2. Alors, sur la technique à gauche de tourbillon. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est il faut avoir la prothèse 2 ou un truc comme ça. Prothèse niveau 2. Attendez, je vais faire juste un truc. Je vais boire vite fait. Alors. Merde, j'ai mis de l'eau un peu sur ma manette. Non, j'ai pas bavé sur la manette. J'ai dû boire au-dessus et une goutte. Ouais, oui, ça se peut. Ouais. Yeah.
Mais non, j'esquive. Putain. Et le truc qui est magique, c'est que toi, tu peux tomber, mais les boss ne tombent pas du vide. Sinon, c'est trop facile. C'est la technique que j'ai voulu faire. Bah ouais, mais non, on peut pas en fait. Il peut pas tomber dans le vide. Par contre, lui peut te taper et te propulser dans le vide. Hein. Ça m'est arrivé. Le truc qui me saoule aussi, c'est qu'en bas, il y a ma vie et j'ai deux boules. Mais je sais pas à quoi elles correspondent. Je sais qu'il y en a une, c'est pour avoir une vie en plus. Je pensais que l'autre, c'était aussi une vie en plus. Et puis en fait, non. Donc elle traîne là, je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que j'avais deux vies, puis en fait, non.
Bah ouais, mais je sais pas quoi ça correspond. Et putain, je suis dégoûté, sa barre, il était presque... Comment on appelle ça? Ouais, mais non, c'est... Non, tu crois. Tu crois qu'il y a du progrès, mais en fait, non, c'est juste un sursaut de... De mach... De... Et en fait, non. Tu vois, là, ça va être le pire combat que je vais faire. Ou alors, ça peut être le meilleur. C'est la roulette russe, en fait. Ça m'énerve, sa barre, elle était presque pleine. Je pense qu'il aurait été étourdi ou une connerie comme ça, je pense. Ah merde, j'ai oublié de me protéger! Qu'est-ce qui... Ouah, bah non, bah va te faire foutre. Voilà. Mais il y a un truc qui... Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, j'ai été voir le moine ou je sais pas trop quoi là, il m'a parlé d'un canon ou un truc, et il n'y est pas dedans en fait. Il n'y a pas ici de truc du canon. Je comprends pas. Je pensais que... Attends. Il m'a parlé d'un canon. Non, dans mon bras. Dans mon bras, en fait. Il m'a parlé d'un canon dans mon bras. C'est qui ça? Tiens, ici aussi. Il y a trop de... Shuriken chargé, c'est pas ça. Hein. Non, j'ai pas. J'ai que les pétards. Pétard à ressort, bah non, j'ai déjà le pétard à ressort. Bah ouais, mais je sais pas, il a fait ça quand j'ai, il m'avait dit ça quand j'ai réparé, alors, enfin quand je lui ai présenté ma prothèse. Pour ça, je comprends pas en fait.
Merde, j'ai fait le con. Bon, on va essayer. Ouais, je sais pas. Ça va être. J'ai peur que ce soit tout pourri en fait, mais bon. Ah merde! Bah oui, mais je suis un débile, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai un souci en fait, des fois je ne sais plus quoi. Et je suis mort. Bon. Je vais pas te cacher plus longtemps, hein. Les shurikens. Ça ne lui enlève zéro vie. En fait, le truc, c'est que... Autant le perso, c'est un shinobi. Donc tu fais des trucs de shinobi, en fait, mais... T'as des techniques shinobi, mais autant quand tu dois te battre au corps à corps, quoi. Je sais pas comment le battre. Faudrait que je prenne plus de... Faudrait que je sois plus patient. Il faudrait que j'apprenne à maîtriser la garde et tout ça, mais...
C'est pas possible, à chaque fois il met un coup, ça me défonce. Bouge! Il y a un truc que je comprends pas. À chaque fois, c'est... Quand j'ai affronté les autres boss, ils étaient sur un chemin. Là, il est au bout d'un truc. Il n'y a rien, normalement. C'est pas la suite du jeu. Des fois, j'ai l'impression que c'est... Je me gourre l'endroit. Alors que non, c'est ça, hein, mais... Ah merde alors, il est où lui? C'est vrai, mais en même temps, je sais comment tu joues, je t'ai déjà vu jouer, enfin pas à ce jeu, mais à ce genre de jeu, techniquement, tu t'en sortirais peut-être mieux que moi, moi je suis mauvais, hein. Et quand t'es mauvais, t'as beau faire ce que tu veux, tu restes mauvais, quoi. Ah oui, oui, complètement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais oui, après... Après, il y a plein de choses qui jouent, qui rentrent en compte aussi, ça joue. Hein. Quand t'es malade ou quoi que ce soit... bah oui, effectivement. Merde, j'ai eu la clé, mais j'ai eu la clé de quoi ? C'est moi ou je pouvais m'agripper là? Non, je peux pas. Désolé. J'ai fait n'importe.
Ah oui, non mais je me... Merde, j'ai pas vu, j'ai vu... Je me bats, hein. Là je suis en train de me battre avec moi-même. T'as vu, tu m'as bien... T'as bien vu, tu m'as bien vu sur Rory, hein. Le truc m'a saoulé très vite. Oh putain! Oh mais non, mais ça j'étais pas au courant. Ah, je peux revivre. Ah, bordel de cul. Ah oui, mais ouais, il est tuable. Là, j'ai vu à sa barre de vie, il était clairement tuable. J'ai l'impression que c'est par là qu'il faut passer, en fait. J'avais rien à faire avec l'autre samouraï, hein. Et j'ai perdu des heures, en fait. Et dire trop de temps, mais c'est pas du temps, c'est plus que du temps, c'est des heures. Ah, je suis mort ? D'accord, super. Non mais voilà. J'avais raison. Il y a un truc qui va pas dans ce jeu. Enfin, ouais, si, c'est peut-être... Si c'est... Ouais, c'est... Non mais c'est moi, c'est... J'ai peut-être... C'est peut-être le principe du jeu... Le principe du jeu, c'est que voilà, t'as qu'une vie et tu te fais défoncer quoi. C'est à toi d'être bon. C'est pour les hardcore gamers. Zéro vie. Ah, je sais pas. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir vu que j'ai perdu toute la mienne. Mon bonhomme fait n'importe quoi. C'est bon. Moi ou mon coup est passé à travers lui?
Pareil, pareil. Rien m'indique que c'est là, en fait. J'ai l'impression que le jeu... En fait, le jeu, il... Enfin, pas vaste, mais... Ben, en fait, c'est vas-y. Amuse-toi, passe par où tu veux. Tu vas tomber sur des mecs. Peut-être que c'est la bonne route, peut-être que c'est pas là. Ouh! Je l'avais pas vu. Là, il y a un vieux. Ah si, c'est par là en fait qu'il faut passer. J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Donc ce qui est cool, c'est que lui, je suis peut-être pas obligé de le tuer. Il suffit juste que je l'évite. Il m'a pas vu. Il croit que je suis parti. Oui. Ouais, je pense aussi. Bah voilà, m'avait saoulé lui. Ouais. Raccourci de je sais pas quoi. Moi, je vais aller par là-bas. De quoi ça s'agit? Ouais, ok. Et qu'est-ce qu'ils vont, vous lui? Encore un. Où vous trouverez les morts, vous, nous autres, les impurs. Allez. Ah oui, mais je crois que je peux vendre en fait. Le truc que je peux vendre, c'est ça. C'est les sacs. Où vous trouverez les poupes. Je crois que là, je peux améliorer mon perso en fait. Puissance d'attaque, non. Caractéristiques physiques, non. Acquérir des compétences, je peux toujours acquérir des compétences. Je...
On va aller voir par là-bas ce qui se passe. Alors je sais pas si c'était un monstre ou quoi que ce soit, mais il était tellement moche. Lâche-moi! Ok, je me casse. Donjon abandonné? Mauvais bail en fait. Bonjour. Que faites-vous ici, dans ce lieu? Ah, vous êtes peut-être un shinobi? Dites, vous n'êtes pas bavard, n'est-ce pas? Dans ce cas, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Adieu. Ben non, viens, on reparle. Ah, vous êtes... Oui. C'est ce que je pensais. Accepteriez-vous... de me rendre un service. Ok, c'est un donneur de cœur. Dojoun. On m'a demandé de préparer un médicament avec l'eau de jouvence. Voilà où je veux en venir, cher Shinobi. Ceci est une lettre que j'ai reçue de mon maître. Les détails sont contenus à l'intérieur. Purée, dans quoi je m'embarque en fait? Attends, je viens d'ici ou je viens pas d'ici? Ça va commencer à me perturber ça. Ah si, le donneur de quête il est là-bas. Comme la dernière fois, je suis tombé dans l'épisode 1, je suis tombé dans un endroit, il y avait des mecs sans tête, là, je sais pas trop quoi. Et je te raconte pas la galère. C'est quoi ça, encore un... Oh, quel enfoiré.
Vite, sors de l'eau. Merde, je me suis parmi de la vie et je suis mort de chez mort. Bordel. Bon, de toute façon, cet endroit-là, je suis pas sûr que... Si. Ah oui, ça me remet là. Bon, si, on va aller voir. Oh là, non, ça a l'air dangereux. À moins que ce soit un raccourci ou j'ai un doute. On verra bien, on découvre de nouvelles choses en même temps. Ouais, j'ai l'impression d'être revenu dans le château. C'est quoi ça? Ah, ok. Qui me parle? Ceux du temple Senpo ont renié les enseignements de Bouddha. Ils ont abandonné leur foi, séduits par la de l'immortalité. Si on vous capture, nul ne sait ce qu'il adviendra de vous. Vous devriez retourner d'où vous venez. Cependant, je ne vous empêcherai pas d'entrer, si vous le voulez vraiment. Et si vous le faites, c'est suspect, ça, dis donc. On peut pas casser les pots, on est pas dans Zelda. Enfin, si, là, oui. Mais il n'y a rien dans ces pots là. Si vous avez décidé de continuer, nous prierons pour votre sécurité. C'est le moins que nous puissions faire. Ouais, voilà, encore un endroit bizarre. Là, je suis même plus dans la quête du jeu, je suis sûr.
D'accord. Il y a de la route en bas. Bah allons voir ça. Désolé. Je savais pas si c'était un ennemi ou quoi dans le doute. Ils m'ont laissé ici. Où êtes-vous tous partis? Pourquoi avez-vous abandonné Kotaro? Que vais-je devenir? Pourquoi pleures-tu? Tout le monde est parti. Je suis seul. Qui ça, tout le monde? Tout le monde? Qui? Tourne, tourne, des fleurs rouges et blanches. Une seule fleur blanche pure. La fleur blanche pure que je trouve pas. Quoi? Oh, j'ai mal. Ma tête. Désolé. Je sais pas du tout ce que je dis. C'est juste que je dois trouver la fleur blanche pure. Là, il y a des mecs. Attends, il est tout seul ? Je sais pas, dans le doute, je les tue en fait, mais
pas le dos à son adversaire. Jamais. Ça c'est pas bien ça. Oh, il a failli me tuer. Ouais, il me balance des trucs et tout. Putain, je vais mourir, fais chier, je vais devoir tout recommencer. Je suis sûr, ouais, je suis sûr, il y a un truc à récupérer au temple, mais ouais quoi. Oula. Merde.
Il y a des bêtes ici. Quel bruti! Quel con! Et voilà, je suis mort. Ah putain, je m'en veux. Bon, vous savez quoi, ça j'ai tenu au-delà du possible pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Ouais. On reprendra mercredi. Alors, donc. D'accord, donc je vais m'arrêter. Donc, oui, en fait, en plus, je me suis perdu. Je crois que je suis dans un autre endroit. C'est même pas la suite de l'aventure. C'est une quête secondaire, une sorte de donjon ou un truc, je sais pas quoi, trop quoi. Une route parallèle. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir regardé. On se voit très bientôt pour un nouvel épisode. Donc voilà, prenez soin de vous, restez confinés et ciao les amis.